et à moins de 6 points de la deuxième. Et qui est Richiguer qui attaque l'obstacle Chevalet, l'obstacle Mercedes, le numéro 5. Sandra, tu peux peut-être rappeler comment on va calculer les points dans ces obstacles par rapport au chronomètre. Il y a beaucoup de gens qui nous ont rejoints dans les dernières minutes. Ah, et une faute sur l'obstacle 1. Il y a une boule jaune qui est tombée d'une des quilles. Alors, 46-8 plus 2 points. 2 points donc pour les éléments tombants. Je rappelle donc les éléments tombants, c'est 2 points. Lorsque il y a une faute dans l'ordre des portes et qu'elle est corrigée, c'est 20 points. Si la faute n'est pas corrigée, c'est l'élimination, bien entendu. Si le groupe doit mettre pied à terre, ce sera 10 points de pénalité. Et au niveau du chronomètre, on part du plus rapide dans chaque obstacle.